Bonjour Léonidas. Salut Fridolin. Attention ma guitare qui... Voilà, c'est bon. Salut, alors, nous nous retrouvons ici comme d'habitude pour présenter un nouvel artiste qui va se produire au festival Tourner la Meule. 25-26 avril, au Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel. Voilà. Donc aujourd'hui, regarde, je t'ai apporté, et aussi pour vous, chers téléspectateurs, l'artiste qui va donc présenter un spectacle, le programme Jeune Public. Exactement. Le dimanche à 14h. À 14h, donc le 26 avril. On parle ici d'Anne-Sophie Janota, qui est conteuse. Mais voilà, le problème, enfin, c'est un problème, c'est qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'elle va nous présenter. Parce que regardez bien, si je sors le disque pour vous passer l'extrait, on se rend compte que le sillon n'a pas encore été gravé. Alors, on ne sait pas exactement comment les choses vont être présentées, mais par contre, toi, tu as des détails sur le contenu. Exactement. Donc, j'ai déjà l'auteur des textes, voilà. Philippe Leschermeyer. Alors, c'est un écrivain de littérature enfantine. Exactement. Voilà. Et ça a été adapté par Frédéric Chadorov. Voilà. Ensuite, donc, il y aura Anne-Sophie qui va réciter ses contes. Et il y aura en plus Olivier Forel, qui est un musicien... un pianiste ou accordéoniste qui va l'accompagner. Donc ça va vraiment être des histoires inédites. Ok, voilà. Très bien. Est-ce que tu as un nom sur tes petites notes? Fric Frac qui aime vos bijoux, ou encore la papagnasse du Péloponnèse qu'il vaut mieux avoir en photo qu'en pensant. Également voilà. La princesse Crapaudine. Et la princesse Crapaudine. Ça voilà. Augure du meilleur. Moi je crois que tu as dit le mot de la fin. Voilà. Très bien. On verra si je pourrais aller voir avec mon fils, mais... Et il a quel âge? Ben, il a eu 3 ans. Ah, je pense qu'on ne va pas le laisser entrer. Alors, si on le laisse entrer, ça c'est déjà une chose, mais est-ce qu'on va le laisser ressortir? Parce qu'on va, c'est le bar.